Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode du Let's Play sur The Walking Dead saison 1, le jeu vidéo. Et aujourd'hui justement on va attaquer l'épisode 5 qui est le tout dernier épisode de ce jeu, même si après je vous montre direct, hein, on a l'épisode spécial 400 jours. Mais je sais même pas s'il y a un lien avec l'histoire principale de cette saison 1, donc ça on verra en temps et en heure quand je vous ferai ce pseudo DLC à la suite de l'épisode 5. Mais aujourd'hui c'est l'épisode 5 qui nous intéresse. Plus assez de temps, surtout que la dernière fois on n'avait même pas eu de bande-annonce pour nous dire ce qui allait se passer. Donc c'est le plus grand des suspens parce que bah ça avait été le cas pourtant pour les précédents épisodes. Mais là, ils ont voulu rien nous dire. Et ça c'est sadique. Donc on va devoir trouver Clementine, on a été mordu. C'est foireux tout ça, mais Previously in The Walking Dead, voilà, ils vont tout nous dire. Previously in Walking Dead. Attention, attention, je suis prêt. Je suis prêt à écouter ça parce que ça c'est un bon son. C'est la dernière fois qu'on l'entendra pour cette saison Previously 1. on The Walking Dead. Oh, magnifique. Même si ça charge encore là, enfin, il y a toujours le truc de chargement. Ah, merci. Ouh, le décalage, hein. What if my parents come home and I'm not there? I've got my walkie-talkie in case they try that way. Hey. There were some batteries in one of those boxes. Here, you can have some too. But we'll be in Savannah, and my parents were in Savannah. They always stay in the same place when they go there. The Marsh House? Yes, that's it! You didn't come into town from the railroad, did you? We gotta go! Yeah, why? Clementine? Clementine! No. No. Clementine's gone. Wherever she is, I have to find her. This is something I have to do alone. We'll look for Clementine together. Hell yeah. She's my family now. She's all I got. Hell. In the end, family's all that matters. I think maybe it's best I stayed behind. Clementine. On va enfin savoir qui c'est cette personne. Bon, peut-être pas aujourd'hui, peut-être que ce sera pour les prochains épisodes, mais on va le savoir en tout cas, je pense, hein. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver. Oui, bon, voilà, on connaît le petit speech du début d'épisode. Alors, il y a le train. Vernon, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Clementine, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Tori. Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. What do you want from me? Whatever it is, I'll do it. You can let her go. I want you to never hurt anybody again. This isn't a kidnapping, Lee. C'est quoi alors? Then what is it? A rescue. Pouf. Tiens bon, Clem. Nous laisse pas assez le temps de choisir. Don't worry, pal. We'll get her back. How's that feeling? Bien. Well, pour l'instant. It wasn't a full chomp. No, it wasn't. We don't have much time. We're about to have a lot less.
We'll all make sure nothing gets in. You're still the smartest fucker out of all of us. Try to find another way out of here. Alors, il nous faut une sortie. Oh, oh, oh. Pas ici. Glacière. Nothing through here. Damn. I was kind of hoping they dug some secret tunnels or something. Bah, sûrement. Ouais, quoique non, peut-être pas, mais... Comment ils sont partis? We'll have time to chit-chat later. Comment ils seraient partis, sinon? Ça c'est quoi? Ça va pas nous aider, donc on s'en fout de ce que c'est. Là, on va fouiller tout, hein. Tout ce qu'il y a à fouiller, même si je pense qu'ils ont doublé avant de partir. Et comme par là, ils sont plus là. Oh, bah ça déjà, ça va nous servir, hein. Je sais pas à quoi, mais... Ce sera utile, un écarteur. Voilà, c'est ça de pris. Là. Ça a l'air vide. C'est vide. Just some surgical supplies. Ok. Il y a sûrement un truc à faire avec les carters. Comme pour bah, cette porte, tiens, non? Oh, ça a l'air d'être ça. J'espère que ça va fonctionner. Hein. Faut que ça écarte bien le truc par contre. Hein. Ouais, c'est pas assez pour passer. Ouf, là. Là, ça va plus très bien du coup. Non, mais si on commence déjà à ressentir ça, on va pas faire la fin de l'épisode. Hein. Ça va être chaud, hein. Ok, épisode 5. Plus assez de temps. Ok, ça nous annonce le truc comme ça. Ok. Ça doit être fait. Ah non, pas tout de suite. J'ai dû faire ça. Je suis conscient. Stop. He's awake. He's still bitten. So? C'est vrai que découper le bras aurait été bien. Chopping his arm off. Non non non, c'est une bonne idée en plus, hein. We don't know anything. Si ça marche. We know there's gonna be a lot of blood. There's gonna be a shitload of blood. What if he dies? Then the rest of us go after Clementine. Allons-y. Dans la série télévisé, ça marche très bien, ça. Mais il faut le faire assez rapidement. Là, peut-être que c'est déjà trop tard. Moi, je suis la série télévisée. Je me dis que ça marche dedans. Coupe-le. Donc, moi, je prends le risque, hein. Ah oui, je sais que ça va faire mal. Non, mais ça marche bien dans la série. Mais dis pas que là ça va pas marcher. Ils suivent quand même la même logique. En gros, c'est fini. Ne coupe pas trop. Normalement, il faut le faire quand même assez rapidement après être mordu. Donc là, c'est le truc en fait où j'ai le plus peur, c'est que ce soit peut-être trop tard. Mais bon, on tente, hein. Quel risque. On prend un gros risque dès le début. Le fou. Allez, vas-y, fais ce que t'as à faire, hein. Basta la vista. Ce serait bien de le faire ça rapidement. Ouh, j'ai plus mon curseur. Try to stay still. Pue. Ça veut dire quoi? Just hold on. Ah non, c'est commencé, de toute façon, faut finir, hein. Oh là 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 là, ça commence trash, hein. Très fraîche. Et là, on va me dire en commentaire, mais Gafanta, fallait pas faire ça, putain. Ah, je suis désolé, hein, je connais pas. Je suis la série télévisée, et puis voilà. Hein. Ouh, c'est joli. Ok. Bon. Mon débat.
bed. But maybe now I got more time. Do you think you'll be able to travel? You lost some blood. Normalement, ça pousse même pas l'échéance, hein. Ça annule le truc. T'es plus infecté. Yeah. Good. The elevator's open. Let's go. Eh ben, dis donc. I'll bring up the rear. I don't want to bleed on anyone. Oh, une échelle. Ouais, maintenant on va commencer à avoir les. Ah oui. Jeez. Oh. We're gonna have to go as quiet as possible and see if we can make it to an empty floor or even the roof. Ouais, mais monter une échelle avec un bras, c'est chaud, non? Yeah. Keep going. Moi, je suis pas capable hein, de monter une échelle. Oh, j'ai jamais testé, mais même, je pense pas que je suis capable. Hein. You okay down there? Remember, quiet. It's no big deal. Appuyez vers le haut et joystick analogique gauche pour grimper. Just get in the way. Jesus Christ, Lee. Ok. Non, c'est trop chaud. Hein. Moi, je peux pas faire ça. Hein. Oh, il y a des zombies là-dedans. Oh non, il y a des zombies dans l'ascenseur juste à côté, quoi. Comme par hasard. Putain, c'est fou, n'empêche que j'ai fait de couper le roi. Hein. Je m'en rends compte maintenant, mais c'était fou. Moi, hein. Ouais, je suis selon mes connaissances. Hein. C'était déjà trop tard quand je dis attention parce qu'il était déjà passé. Voilà l'utilité, hein. Je pense pas que ça va annuler le truc parce que bon, pour moi dans tous les cas il va mourir à la fin. Je sais pas s'il y a plusieurs fins en fait dans le jeu. Je pense qu'il y a quand même plusieurs fins, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Donc je peux pas m'avancer s'il va mourir ou pas, mais bon, quand je vois dans les tops que c'est la mort la plus triste du jeu vidéo et tout, souvent... Ouais, voilà quoi. Je pense pas qu'il peut s'en sortir dans tous les cas, mais on sait pas. Faut pas m'avancer non plus. Hein. Même si je pense qu'il va quand même mourir malgré ce qu'on a fait. Donc c'est pour ça pourquoi j'ai coupé le bras du coup. Bonne question. Donc on est au sommet de l'hôpital. Sur le toit. Maintenant c'est comment on descend du coup de ça. Remember when Savannah was empty? Those Crawford bastards did one thing right, I guess. There must be thousands of them. They didn't follow us here, did they? It sure seems like it. That's crazy. They can't track. They just roam. Is it? That fucking train wasn't exactly discreet. Faut qu'on descende de ce toit. C'est une certitude. We need to get off this roof as fast as we can. It's not safe down there. We can't just walk through the streets. You planning on growing some wings? It's taking an immense amount of willpower to not make a crack about that suggestion, coming from the one-armed man. That joke will be funnier once we know if this worked. Look, let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good? Good. I don't think we can ignore what just happened to Lee. He lost a lot of blood down there. If you find yourself getting winded, or worse, you gotta let us know. En tout cas, c'était ma préférée. Favorite hand anyway. Well, you haven't lost your spirit. Seriously though, don't treat me any different. I got one goal. You hear me? Yeah, we do. Now what? We get down and we find a little girl out there, right, pal? Now, let's get our bearings. Belle affaire. Alors, tiens, j'ai obtenu un trophée maintenant dans le feu, quoi. Ok, donc on a fini le premier chapitre. En tout cas, je m'attendais tout sauf à ça, c'était assez surprenant. Alors là, on a une échelle sortie de secours. On va leur parler. That looks like Crawford Square over there. Fuck that place. Did fix up our boat, though. We get Clementine and get right back. Make sure she wears her life jacket, okay? Something tells me she's not gonna want to. Say lui parler davantage? Nah, I'm just... I was taking a minute, actually.
Sorry, I know I shouldn't. Qu'est-ce qui se passe? That's just everything. Fuck, man. You know. I do. I can't thank you enough for what you did for Duck. I don't know how I'd be if you hadn't. Don't dwell on it. I look at where we are, right now. And I can't imagine Cat and Duck in all this mess. Can't. No, I'm sorry. We're in a fucking hurry to get off this roof. It's not the time. I'm sorry. I'm okay. C'est bien ressaisi quand même, hein. Je pense qu'il y en a combien en bas? Des milliers. In the hospital? Thousands. Oh là. Was full of dead before, right? Yeah, that's what I was thinking. And out there, pire endroit. Look at that dust. Fuck, man, who knows? There's a bell tower over there. Ouais, c'est ça you know what those do. Yeah. Qui me dit que... Could be part of how we get through the streets. Diversion. Yeah. Any thoughts about anything else? Nah, I'm all right. Just needed to take a second. I'll keep an eye out over here. Sorry. Donc le clocher pourrait du coup nous servir. Est-ce que j'interagis avec ça, avec la... Non, pas tout de suite la sortie de secours. Alors là, on a des empreintes. Quelqu'un s'est suicidé, c'est ça? He or she walked away from whatever accident happened. And that doesn't really mean much. Ok. Hospital must have run out of doctors. Ok. Not going back in there. Ah non. N'en est pas question. That's the church across the street from the mansion. River Street should be just beyond that. We need to head back that way. We'll stop off at the mansion, like you said, and make sure we didn't overlook anything. Yeah. Il y a Ben aussi. Ben le boulet. I might have a way to clear us a path. If I can make it to that bell tower, I can draw the walkers down to that side of the hospital. There'll be thousands of them. That'll thin out the streets between here, the mansion, and River Street. Even if it's just for a few minutes. Anything over here? Honestly, my vision isn't great. I think it's allergies or all that shit those walkers are kicking up. J'avais peur que I was thinking you and Omid wouldn't come with me. We can't stop looking out for each other. You two have been solid since day one. What's this, day three? Four? Well, I appreciate it. Disait à propos du got any good ideas for getting through that, herd? I'm working on it. Are you gonna be able to hang in there? I have to. Des allergies, c'est drôle. Shit. People used to get those. I know, right? You never see anybody in an end-of-the-world story with hay fever. It's not the time to get wistful. I know. It's this deal with Clem. It's everything. It's put this rage inside me like I can't even say. I used to get allergies too, and just... Fuck. Who was that guy? Someone with priorities? Imagine that way. Yeah. If we can use that bell tower to bring them to that side of the hospital, it won't be an easy trip on back répète un peu là, du coup. But it wouldn't be impossible. Sur le coup, hein. I'm with you. Just have to get over there. Oui. Ok. Je préfère toujours parler avec tout le monde. De toute façon, on garde le même... fil conducteur au niveau du gameplay, mais de toute façon ça semble être ça et pas autre chose, mais on va quand même parler au mid. What's up over here? Bell tower, that's what's up. Hmm, yeah, that could help. Hey. Alors, comment va la jambe? It's good. Wouldn't mean shit if you hadn't left Clementine with me when you went into Crawford. That little girl saved my life. She's something, right? Yeah. Pense que tu es le préféré de Clem. I think you're Clem's favorite. You know that? Really? Yeah, she's a big fan. You get away with shit I never would. We're getting her back, Lee. You know that, right? Yeah. When we get this fucker, we'll get out of sight and leave you with him. You get me? I get you. Voir si on peut atteindre le clocher. We can make it out to that bell tower. Okay. Be careful, though. I don't want you going any sooner than you have to. Thanks.
Ok, mais peut-être qu'avant justement d'escalader le clocher, j'ai envie de voir l'histoire de la sortie de secours là, parce que ça également, je suis plutôt interrogé sur le fait de peut-être qu'il y a un moyen, je sais pas, hein, même si je pense qu'ils vont nous dire non, c'est pas bon, et puis grimpe le clocher, et puis basta la vista, quoi. Du coup. Est-ce que j'avais raison? Non, je pense vraiment qu'ils vont nous dire ça. Hein. Ça ne sert à rien, se fermer, nanani, nanana. Oh! Ah mais ah bah ok, l'échelle, je sais déjà pourquoi du coup c'est. Ah oui, parce que forcément ils nous disent de monter là, mais bon, on pouvait pas monter non plus comme ça, hein. On n'est pas des Yamakasi. Donc ah non, par contre non, j'étais bien là. Je pensais que je pouvais pas interagir en étant comme ça à côté. Je pense que ça c'est après du coup. Une fois qu'on aura activé la cloche, vu que c'est complètement l'opposé, ils seront de l'autre côté et nous on pourra emprunter la sortie de secours, donc je vois le truc. Donc du coup on va prendre direct l'échelle parce que forcément quand on en a besoin. C'est bon à porter ça avec un bras. Mais non, avec un bras tout est réceptionné. Hein. You need some help with that? I got it. Ok. Damn it. C'est dangereux. Oh, oh, oui, c'est très dangereux. Oh. Pas quelqu'un d'autre qui peut le faire là. Yeah, could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses bon, getting back ça, to the mansion. You think you should be the one to go? Non. My leg's feeling non. better. Let me do it. If we have to decide who takes a risk like this, it should be the guy who's got the least to lose. What's avec the worst bras, that could happen? I get bitten again? So we're agreed then. Avec un bras quoi. Hein. Alors. Y a pas quelqu'un qui veut même tenir l'échelle parce que là, tu glisses et puis c'est bon, elle part. Hein. Cause the one-arm guy insists. Now shut up about it. Mais quelqu'un veut pas tenir là. Maybe keep that shit to yourself next time. Yep. Non mais vraiment, y a personne qui la tient. Mais ils sont fous, le truc qui glisse trop facilement là, y a rien hein, qui l'attache ou pas. Oh. Et c'est encore pire pour descendre, mais vu qu'on n'est pas encore arrivé, on pose pas la question de descendre, mais ça va être pire. Bullshit. Ah bah tiens. Ah. Et voilà, et maintenant. Prends-toi ça toi en tout cas. Holy va falloir shit, sauter. Are you okay? Ah oui, on pose yeah. jamais au retour hein. I'm fine. I was wishing I had my other hand. No shit. Try to find another way out of there. Il y a pas d'autre sortie là de toute façon, enfin je pense. Ah si en fait, la trappe. OK. Donc la trappe on va voir quand même. It's locked. Shit. The exit in here's locked. Tant qu'ils se déplacent, hein, ça va être long. Now get back here. Ah bah ça c'est malin. Je suis pas un Yamakasi hein. Je ne cesse de le répéter. Ça va, ils sont pas autant que ça, n'empêche. En vrai là ça paraît faisable. Mais... Ouais. Tu vas y arriver. You got this. You got this, motherfucker. Il sape de fils de pute. Ma lumière. J'ai oublié de dire ma lumière après, je suis désolé. Quand faut y aller, hein. Taillot, taillot. Lolo, oh lolo. Oh là là. Eh, bélier. Bélier. Même avec un bras, ça passe crème. Putain. Good goddamn leap, pal. Let's get the hell off this roof. Sortie de secours. Ah oui, c'est vrai que là c'est bien dégagé hein. Et bah finalement
Ça a porté ses fruits. Et on est de retour du coup. C'était pas obligatoire ça. Hein. Surtout pour la discrétion. Qu'est-ce qu'il fait? What are you doing? Don't get mad. The boat's gone. No shit, it's gone. Relax. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ben, what happened? They were waiting for me in here. Who? Vernon, his whole crew. Was Clementine with them? Ah. No, he seemed pissed you guys lost her and, well, they took it. They're gone. Ben, you are worthless. Bon, même si on était pas là, faut rien changer, hein. Ben, I could just kill you right now. I can't believe you didn't even put up a fight. Omid, can you go over the fence and let us into the backyard? We shouldn't be out in the open. Yeah. This is not happening. Everything is so fucked. Clementine is still out there. So we get Clementine, and then what? We get the fuck out of cities. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go of it. Yeah, that seems like a good idea to me. Nobody asked you. You just did. Don't get fucking smart with me, Ben. Chill. Do you remember we had a boat? Faut tous tenir a le coup. Boat! Everyone keep it together. Nothing has changed, has it? Nothing has changed? I mean immediately. We stay the course. Don't turn on each other. Yeah, chill out, Kenny. Oh putain, dis pas ça, s'il te plaît. Non. We can do this in the yard. Faut que je recharge ma manette. Ben, moi. I swear to God. What do we do without a boat? Bah, j'allais recharger ma manette, c'est malin. Aller à la campagne, hein. Dicked around with cities and coastlines and boats too long. Take her out there. Live as safe as you can, okay? Look, I think out in the country is the safest place to be. But you're not dead yet, so put a pin in that, okay? Hop, manette chargée, parfait. Where the hell do you get off? I'm just saying we should all chill, not just you. Chill? Bandits, hey, chill. Here's some pills. Vernon, chill! Here's our fucking boat! This isn't my fault. I can't point to one thing that's happened that isn't somehow your fault! Lee should have left you in Crawford. Fuck you, Kenny! Oh. Attention. Careful, guys! No, let him. I am so, so, so sorry about Katja and Duck. I am! And I know I fucked up. But stop pushing me around and stop wishing I was dead. No! You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family, my parents, my little sister. Do you get that? Your family is gone, but at least you had them to lose. I never made it home. They could be alive or dead or walkers or worse, and I don't know. So give me a fucking break! Oh, Ben, I'm... Oh, shit! Here they come! In the house! Bah, de toute façon, non, ça aurait rien changé, en tous les cas. On n'aurait pas pu empêcher que le bateau soit volé, hein. Enfin, je pense pas. They shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Krista! Des armes. Search the house for weapons! On it. J'ai même pas eu le temps de voir toutes les propositions. Aide Krista. Non, c'est pas une bonne idée, fallait déplacer les meubles. Déplace les meubles. Du coup, j'ai mal joué là. Hein. Pas le temps de niaiser. Moi. Go now, front hallway. Heureusement qu'il a vu. Oh, mais c'est pas possible, hein. Laisse-moi, je suis un manchot là. Mais le respect. Saleté de main. Lee, help! Cut their fucking arms off! There's gotta be a knife or something in there! Hurry! Ah non, 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 me faites pas fouiller. Oh putain. Oh non!
Toujours de mauvais choix, hein. Ah, petit hachoir. Take their goddamn arms off. Oh toi. Oh là là, saleté de main. Ah ouais, toi t'es bien caché. Now what? Ouh. Bah un meuble, je sais pas, un truc là. Cet endroit va tenir. Big, sturdy house. It'll hold. Yeah, I think moi-même, je ne suis pas très prêt pour moi. Voilà. Oh tiens, il y a l'autre, et... Oh l'autre. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Ah, elle en a fait du voyage, hein, pour venir. C'est vraiment la grosse merde, hein. Guys, help me with this. Putain, il nous presse beaucoup trop, il n'y a même pas le temps de faire des choix là, c'est au premier truc que tu vois, tu le choisis. Sans vraiment avoir la conviction de vraiment le prendre. Quoi. Hop. Carré. Oh, l'anticipation. Et là, ça va être quoi, rond après? On doit encore le pousser. Ah ouais? Non. When we see an opening, we go for it. How many bullets y'all have? Three? Five. Four. Two. Y'all know where to aim. Get ready. My god. Bon, on a 5 balles, je crois, nous. Faut avoir le shoot, hein. Ah bah oui. Pourquoi ils avaient pas pensé à ça tout de suite? Bah au moins là, non, ils peuvent pas venir. Hein. Dans votre cul les zombies. Vous pouvez pas venir, même si nous on est bloqué. J'ai fini le deuxième chapitre. You dropped it down there. That could have gone better. Everyone okay? Lee's still bitten. Shut up. Okay, let's get out of here and keep moving. Kid's right. We gotta keep moving. Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know. Maybe. Well, we're not going out through this window. No latches, no roof access, and 30 feet straight down. Anyone have any ideas? I bet this guy would. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Industrial... Mead? Krista. Just trying to lighten the fucking tone. We need solutions, not stupid jokes. I'm sorry. So, no ideas? Il y avait un autre moyen. It's gotta be another way. Check the floor for any other access, a vent, anything. Or we wait for the house to clear out and stick to the high ground. Non. Hey, you're not ça se résorbe pas. And you're warm. I'm okay. T'es bien, mais t'inquiète pas. Enfin non, ça va pas, hein. Oui. Oui. I'm okay. I'm where my parents... No. What did that mean? She's at the hotel where her parents were staying. He hasn't moved her. Yet. Yeah. Yet. We need to start thinking about more than just Clementine when it comes to our urgency. What do you mean? How do we get out of here? That's the whole point. We don't know. Okay, now your life depends on it. How do you get out of here? I don't know. I don't get it. I do. Continue de chercher une sortie. Everyone needs to keep looking for a way out, damn it. We're trapped in here. Do you think that worked? I don't know. Ah, je pense pas là. Hein. Hope so. I think we need to have an adult conversation. Dommage, hein, j'aurais essayé. About what happens if Lee takes another spill. Hey, look. We could be looking at a Larry situation here. Who's Larry? It don't matter.
He looks fine to me. Ok, je veux faire quoi? Okay, what do you want to do? Just talk about it. Does that conversation end with me getting something dropped on my head? Now, hey! Guys, I don't know what happened before Omid and I showed up, but we can cross this bridge when we get to it. Lee, I'm not advocating anything here, but how is this not a thing? We're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you. On s'en fout, my arm bro. Is not the issue. I'm not the problem. The 500 walkers in the house and no door in this room are the goddamn problem. Yeah, maybe at the moment, but who's to say when it becomes an issue? At that point, there may not be any time left to deal with it. This is getting out of hand. You're gonna listen to me. We will get Clementine back, with or without you. Because I haven't given up everything to die because we were stupid. Désolé, I'm okay. Sorry, okay? Fuck, we can't do this! We're gonna have to. Non. Ha! You ruined that dude's face. Shut up, sweetie. Look. T'as vu, j'ai bien fait de rien prendre, rien toucher. Hop, hop, hop. Hey, tu me l'as fait pas, moi. What's on the other side of this wall? A 30-foot drop? No. This mansion butts up against the one next door. Pas le temps de niaiser. This wall ain't shit. Is this really possible? Yeah, we can do this. Okay. We'll work in shifts. Omid, Krista, and I. Lee, you rest. We have to work fast. Allez! N'allez pas te faire de mal. I wasn't gonna hurt you. Sure, pal. I know. Ou à leur parler en attendant, ou comment ça va se passer? I'm glad you told us when you got bitten. It would have been easy not to. Yeah. Well. We probably would have let you go alone if you hadn't told us, which would have been a mistake. If I were you, I would have been scared shitless. Si t'étais moi, tu ferais 36 mètres de plus. Oh le bâtard. Hey. And about 50 pounds heavier. You wouldn't get scared as much. With your arm and my leg. I'll cripple fight you right here, buddy. Oh, I still got this one. I can put my right palm on your forehead and just let you swing away. Fine. You win, jerk. It's so weird. I keep doing a double take on your arm, expecting it to be there. I'm hoping whatever's in their bite is gone, too. What do you think the odds are of that? I don't know. No. Everyone's wondering. Even if it just slows down the process, I'd be happy. You don't mean that. So when we get this guy, what do you think? Découvre qui sait pourquoi il a fait. Why he's doing this? We can rescue Clem, but she won't be safe if this guy's not gonna stop. So, did your crew get into any shit before you met up with us? Is it possible to have survived and not gotten into some shit? And, you know, whatever happens to you, Seriously, can we not talk like that? The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as dead. I was bitten, Krista. You cut it off. What good is it to plan around that working? What good is it for you to give up? I haven't given up. Trouver une famille pour elle, okay? Okay. Somewhere she'll be safe. Don't do this. I want you to hear me. I hear you, but I'm not having this conversation. Krista, we could look after her. As long as she has a family. You hear me? Yeah, of course. What about him? Il faut qu'on le soutienne. Allez, Ben, le boulet, je te garde avec moi. He's only a kid still. It's easy to forget that. He loses shit like that often? No, that was a first. It's good that he did. Kenny couldn't pull that shit on me. Faudrait mieux de ne pas recommencer. He ruined Kenny's life. Outbursts like that aren't fucking appropriate. You do feel bad for him though, right? Well, seems like it got through to Kenny.
Whatever that's good for. All right. I'm out of gas. You look good and rested. Sure. If you don't count an infected leg. You want me to do it? Nah, hon. You can hop in after me. On va rester parler combien de temps comme ça? Shouldn't be long now. It's good we're forced to take a breath. That, feeling any better? Je ressens que ça vient d'être coupé. Pretty recently, chap. So now Kenny feels about as good as you'd expect. I mean, do you think it worked? Did it help at all? I feel like a man who got bitten. Take that for what it's worth. I still can't believe you went and got chomped. Just fucking hell. At least he told us. Took some brass. I don't think I would've. How are you? I don't know how to answer that. I'm sorry. You've lost more than tout ira bien, Ken. Be all right, kid. Why are you acting like what's happened ain't happened? Anyway, I appreciate it from both of you. A lot of us have lost families. You want to die in Crawford? What's that now? When I had it there, in my hand. He wanted me to drop it. He asked me to. Oh, Jesus. What? I'm glad it was you making that call and not me. This guy tell you much about what we've been through? Bits and pieces. See that lump on his face? You did that? Might have. Désolé pour la peine que j'ai causé. Ah, c'est le moment un peu vide là. Well, cheers. No. Cul sec. Voilà. I'm through. Oh. No, on atterrit dans quelle pièce? Things are looking up. Pas moyen, un petit trophée. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode. On a fini 3 chapitres. Ça me semble une bonne progression. Et le suspense sera parfait comme ça pour les prochains épisodes. Donc je pense que là, honnêtement, il reste 2 épisodes avant la fin. Parce que bon, à chaque fois, depuis le début de l'SP, il a fallu 3 épisodes à chaque fois pour finir un épisode du jeu. Donc on va rester de toute façon dans la même logique. Et n'importe également le temps que peut durer ces épisodes. Du coup, j'espère justement que... Oh, je vais encore le répéter, mais c'est pas grave. Cet épisode de 13 du Let's Play sur The Walking Dead saison 1 vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça me fera extrêmement plaisir et on se retrouve par conséquent dès dimanche prochain pour la suite avec le 14e épisode. Allez, bye tout le monde! Oh yeah!